Hello, ici l'ami Cédric qui va nous montrer comment faire une platine interface pour Mumble. Donc voilà son petit schéma. Que Jackie a fait. 14 FAS 1, 6, 7, 8. Voilà. Merci Jackie. Donc là, ça c'est le schéma. Donc c'est toi qui l'as redessiné ou c'est Jackie? Non, c'est Jackie qui l'a dessiné. Donc Jackie, tu dessines bien. Ça aurait été Cédric, j'aurais dit que... J'ai dessiné comme un cochon, voilà. Okay, merci. Et Jackie, tu dessines bien. Donc voilà, donc Cédric, qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser cette interface comme composant? 4 bricoles. 4 bricoles, donc on va les décrire. Donc il faut 3 condensateurs polarisés de 4,7 microfarads. Voilà, C5, C6, donc C7. On disait C5, C5, C6, C7. C7. C'est des condensateurs chimiques polarisés de 4,7 microfarads. Ensuite, okay. Il nous faut C1 et C4 sont des condensateurs de 650 picofarads. Et C2 et C3, des condensateurs céramiques de 150 picofarads. Il faut ensuite une résistance variable de 100 kΩ et deux transformateurs audio d'isolation et ainsi que deux self de choc. Voilà. Une fiche K ici pour le Baofeng et deux fiches jack qui vont être utilisées pour être connectées à la carte son, okay. Du Raspi. Ok, donc question, ces petites fiches jack, il les faut en mono ou stéréo? On peut les mettre en stéréo, mais on utilise juste le côté droit et la masse. Ok. Qui sont référencés ici, blanc et tresse. Blanc et tresse. Très bien. Ensuite, ici, nous allons utiliser ceci. Qui est une fiche K déjà pré-câblée, auquel on a les repères des couleurs directement sur les bornes. 3 jaunes, 4 noirs, 7 bleus, 8 verts. Ok. Qu'on retrouve après. Qu'on retrouve dans le tableau, mais là, le tableau est mal. J'ai agrandi exprès pour voir que le champ. Voilà, donc ça se synthétise par ça. Voilà, et les composants qu'on va mettre sur la platine au fur et à mesure. Voilà. Allez, on va commencer à monter et au fur et à mesure, on essaiera de vous montrer ce que ça donne visuellement. Alors, nous voilà à la moitié de la réalisation de la platine. Donc, on a fait le circuit A, c'est-à-dire celui-là. Voilà, refais-le, Cédric. Voilà, ce passage. Et ça donne ça. Donc maintenant, on va s'attaquer au circuit B. Et on verra ce que ça donne dans quelques dizaines de minutes. Voici le circuit B terminé. Voilà, sur le... Donc c'est-à-dire celui-ci. Voilà, donc là on voit bien le circuit A et modélisé sur la platine, ça donne ceci. Voilà, donc là maintenant ce qu'il nous reste à faire, c'est souder les prises jack que Cédric est en train de dénuder. Voilà, et les souder aux sorties. 1 et 2 pour commencer. Voilà. Et 5 et 6 pour la suite. Et après, on dénudera ceci. Et pour les mettre 3 et 4 et 7 et 8. Voilà. Hein? Alors, Chloé, comment tu le trouves le.
le dessin de Jackie? Très beau. Il est très beau, il est réussi? Oui. Ah. Magnifique alors. Jackie, oui. T'as une admiratrice. C'est une admiratrice, Jackie. Voilà, donc les câbles sont branchés. Hop. Pin jack. Une, deux. Donc, celle-ci. Micro. Celle-ci, c'est celle de la platine du circuit A, qui est ici. Non. Donc, c'est le micro PC. C'est le micro PC. Voilà. La deuxième, qui est là, voilà, c'est l'haut-parleur. Et qui est sur le circuit ici. B. Voilà. Et de l'autre côté. Hop, voilà la broche qui viendra se brancher sur le sur votre poste. Donc là, en l'occurrence, sera une USB. Se brancher sur le circuit A et sur le circuit. Et donc voilà, sur les câbles, nous avons mis ce petit boîtier qui est une ferrite. Voilà. Les amis, donc voilà, l'interface est maintenant terminée. Presque. Il faut isoler, faire un, voilà. boîtier voilà. Isolé avec de l'alu. Voilà, donc la plus grosse partie, on va dire, de la platine est terminée. Voilà, donc après on va l'isoler. On va trouver un petit boîtier tranquille. Voilà. Donc Cédric, sur le coût en composant de la platine, ça revient à peu près à combien? Moins de 5 euros. Avec les ferrites, les composants ici et les ferrites, moins de 5 euros. Après les câbles, donc celui-ci est à 6 euros sans les frais de port. Et ça, c'est une rallonge double jack, faut compter 2 euros. Donc ça fait 8, allez, moins de 10 euros, on a l'interface. Voilà.